Salam alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons voir les ondes mécaniques progressives. Donc, nous allons commencer notre leçon par grand A, les ondes mécaniques progressives. Donc, on va essayer de trouver une définition d'une onde mécanique progressive par réalisation d'une animation montrant la propagation d'une onde mécanique dans un milieu, pour bien sûr mettre en évidence quelques propriétés qui caractérisent les phénomènes ondulatoires. D'accord? Donc nous allons prendre une corde et à l'une des extrémités de cette corde, on va provoquer une perturbation. Alors observons ce qui va se passer. Donc voilà, comme vous observez sur l'image, la perturbation se propage de proche en proche le long de la corde. Et chaque point de la corde va être affecté par la perturbation. Donc on peut dire que la perturbation est une modification des propriétés de la corde. Observez aussi que la perturbation n'affecte que quelques parties. Donc, par exemple, cette partie est déjà affectée. Celle-là n'est pas encore affectée. Donc on peut dire que la perturbation est une modification locale. Une autre observation à faire aussi, c'est que la perturbation ne dure que certains moments. Donc on peut dire que la perturbation est une modification temporaire. Alors, on peut définir la perturbation par une modification locale et temporaire des propriétés de milieu. Dans ce cas, le milieu, c'est la corde. D'accord? Observons aussi que la perturbation se commence à partir de la source qui va se mettre en mouvement vers le haut puis revient à sa position initiale. Même chose pour tous les points de la corde. Donc, chaque point de la corde reproduit le même mouvement de la source mais avec un certain retard dans le temps. Donc, on peut dire que la propagation de la perturbation n'est pas accompagnée par un transport de la matière. D'accord? Observons aussi que après le passage de la perturbation, le milieu, c'est-à-dire la corde, reproduit ou bien reprend plutôt son état initial. D'accord? Mais on observe qu'il y a quelque chose qui se déplace. Donc on peut poser la question, ce déplacement, c'est quoi? D'accord? Donc comme nous avons déjà dit, la perturbation se commence à partir de la source. D'accord? Donc pour que le point source, alors donc pour que le point source se déplace, je lui fournir une énergie. D'accord? Cette énergie va se transmettre, de proche en proche. Ça veut dire la source va se transmettre l'énergie au point suivant. Ce point aussi va se transmettre l'énergie à ce point. Et même chose pour tous les points de la corde. Donc, au cours de la propagation, il y a transfert d'énergie sans transfert de la matière. Alors, prenons un autre exemple, ça veut dire un autre milieu, donc c'est le ressort. Alors, on a ici un ressort horizontal. Lorsqu'on comprime quelques spires et on les lâche, qu'est-ce qu'on remarque? Voilà, donc comme vous observez sur l'animation, la perturbation se propage de proche en proche le long de ressort. D'accord? Donc, on observe que la compression qui se déplace et non pas les spires. D'accord? Donc, il y a déplacement de l'énergie qui comprime les spires et non pas la matière. C'est bon? Bien. Alors, un troisième exemple. Observons la propagation d'une onde à la surface de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on remarque lorsqu'on provoque une perturbation à l'aide d'une pointe fine ou bien à l'aide d'une pierre jetée à la surface de l'eau? Donc, voilà. Voilà, donc la perturbation se propage
de proche en proche et chaque point du milieu sera affecté ou bien va être affecté par la perturbation. Donc la perturbation, bien sûr, se commence à partir de la source sous forme des rides circulaires autour de la source. D'accord? Bien. Donc après avoir vu l'animation ou bien les animations, on peut définir l'onde mécanique. Donc c'est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel avec transport de l'énergie sans transport de la matière. D'accord? Bien. Quand on parle d'une perturbation entretenue et continue, donc on parle de l'onde mécanique progressive. D'accord? Donc c'est une succession continue des signaux mécaniques résultant d'une perturbation entretenue et continue de la source d'onde. D'accord? Bien. On passe, petit 2, donc l'onde transversale et longitudinale. D'accord? Bien. Donc revenons à l'exemple vu précédemment. Donc quand vous observez la direction de la propagation est horizontale, d'accord, suivant cette direction. Par contre, si on suit le mouvement d'un point lorsqu'il est atteint par la perturbation, donc le point effectue un mouvement vers le haut puis vers le bas, d'accord. Ça veut dire que la direction de la propagation de l'onde et la direction de la déformation sont perpendiculaires. Donc dans ce cas, on parle d'une onde ou bien d'une onde transversale. D'accord? Par contre, lorsqu'il s'agit d'une onde le long d'un ressort, donc la propagation se suit suivant une direction horizontale. D'accord? Et lorsqu'un spire est atteint par la perturbation, donc la direction de la déformation est horizontale aussi. Donc dans ce cas, on parle d'une onde longitudinale. D'accord? Bien. Donc après avoir vu l'animation concernant la propagation d'une onde le long d'une corde et la propagation d'une onde le long d'un ressort, donc on peut constater qu'une onde transversale est celle dont la direction de la perturbation du milieu est perpendiculaire à la direction de la propagation, comme par exemple dans le cas de la corde. Donc la direction de la perturbation est perpendiculaire avec la direction de la propagation. Dans le cas d'une onde longitudinale, donc c'est lorsqu'on parle, ou bien lorsque la direction de la perturbation du milieu est parallèle ou bien alignée avec la direction de la propagation, comme par exemple dans le cas d'un ressort. D'accord? Donc la direction de la perturbation est alignée avec la direction de la propagation. D'accord? Passons à l'onde sonore. Donc on a deux expériences. Donc l'expérience 1, on met une source sonore, un téléphone par exemple, sous la cloche, puis on crée le vide dans la cloche à l'aide de la pompe. Alors qu'est-ce qu'on observe? Alors lorsqu'on crée le vide dans la cloche, on remarque que le son émis par la source du sonore est disparu. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Donc on peut dire que le son nécessite un milieu matériel, ça veut dire ne se propage pas dans le vide. Donc le son, c'est une onde mécanique. D'accord? Concernant la deuxième expérience, donc nous avons un autre parleur lié avec un générateur de basse fréquence et une bougie. Donc lorsqu'on fonctionne l'autre parleur, on remarque que la flamme de la bougie se déplace horizontalement suivant la direction de la propagation de l'onde sonore. Bien, nous avons ici un autre parleur aussi. Donc, ce autre parleur, il va engendrer une onde qui va se propager dans une colonne horizontale,
D'accord? Donc, ces points-là sont les particules d'air. Donc, lorsqu'on déclenche le son, d'accord, on obtient une compression de la couche la plus proche. Et les molécules d'air de cette colonne vont se mettre en mouvement et entraînent le mouvement des molécules à proximité. D'accord? Donc, chaque molécule va être affectée par la perturbation ou bien par la compression. C'est bon? Bien. Donc, les particules de l'air, bien sûr, se mettent en mouvement horizontalement. D'accord? Selon cette direction, et la propagation de l'onde est horizontalement aussi. Donc, dans le cas de l'onde sonore, on parle d'une onde longitudinale. Pourquoi? Parce que la direction de la propagation et la direction de la perturbation sont alignées ou bien sont parallèles. D'accord? Bien. Donc, on peut conclure que le son est une onde mécanique longitudinale, se propage dans un milieu matériel et ne se propage pas dans le vide. Ça veut dire qu'elle nécessite un milieu matériel pour se propager. Donc, elle se propage grâce à une compression et dilatation du milieu de propagation. D'accord? Donc, passons à autre chose. Donc, grand 2. Les propriétés générales d'une onde mécanique, petit 1, direction de la propagation d'une onde. Alors revenons à l'exemple qu'on a déjà vu précédemment, donc ça veut dire la propagation d'une onde le long d'une corde, d'accord? Donc observons que la perturbation se fait suivant une seule dimension ou bien suivant une seule direction. Dans ce cas, on parle d'une onde unidimensionnelle. Même chose pour le cas d'une propagation d'une onde le long d'un ressort. D'accord? Bien. Par contre, dans le cas d'une onde à la surface de l'eau, donc dans ce cas, la propagation se fait dans le plan, donc selon deux dimensions. Alors là, on parle d'une onde bidimensionnelle. Donc après avoir vu les deux animations, donc on peut conclure que on a deux types d'ondes. Une onde à une dimension, à une seule dimension, c'est-à-dire onde unidimensionnelle, comme le cas d'un ressort, d'une corde, et à deux dimensions, comme le cas de la propagation d'une onde à la surface de l'eau. On a aussi une onde à trois dimensions, comme l'exemple de l'onde sonore. D'accord? Donc l'onde sonore se propage dans les directions qui lui sont ouvertes. Une onde se propage, bien sûr, à partir de sa source, dans toutes les directions qui lui sont ouvertes. Donc on a deux, trois types des ondes, onde à une, deux ou trois dimensions. Alors, une onde à une dimension, c'est-à-dire la propagation a lieu dans une seule direction, comme par exemple le cas d'une propagation le long d'une corde ou bien le long d'un ressort. À deux dimensions, la propagation a lieu dans un plan, comme par exemple le cas de la surface de l'eau. Donc, on parle d'une onde bidimensionnelle. Et une onde à trois dimensions, donc là, la propagation a lieu dans l'espace, c'est-à-dire trois dimensions, donc milieu tridimensionnel. D'accord? On passe à petit 2, la superposition de deux ondes mécaniques. Donc là, on a une corde et on va provoquer deux perturbations dans les deux extrémités, ou bien à partir des deux extrémités. D'accord? De façon simultanée. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Voilà. Donc, les deux perturbations se croisent, elles se superposent et continuent à se propager après leur rencontre sans se perturber. D'accord? Voilà. Donc, voilà. Donc, elles se propagent, donc elles se croisent et continuent
à se propager après leur rencontre sans se perturber. D'accord? Bien. Donc, lorsque deux ondes mécaniques d'une perturbation très faible se croisent, elles se superposent et continuent à se propager après leur rencontre sans se perturber. Voilà. Donc, avant la superposition et après la superposition. Donc, comme vous observez, donc il n'y a pas de perturbation des deux ondes, d'accord, après leur rencontre. D'accord? Donc, on a le cas d'une corde et on a le cas d'une perturbation ou bien d'une propagation d'une onde le long ou bien à la surface de l'eau.